Salut tout le monde, bon voilà il est dimanche, on est dimanche, il fait super beau et je vais aller essayer cette nouvelle petite TDM que je découvre. J'ai roulé avec, j'ai fait 10 km avec la semaine dernière, mais bon rien de folichon. Donc là je vais essayer de me balader un peu sur route, sur les petites routes, dans les petits chemins. Il y a plein de nouveautés en fait. La caméra, il y a longtemps que je l'ai, mais c'est vraiment la première fois que je l'utilise avec le retour caméra là dans l'écran. Je sais pas si on voit bien ici. J'ai une oreillette que Laurine m'a prêtée pour voir si ça fonctionne au niveau du son. Donc soyez indulgents parce que franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. Allez, on y va, c'est parti. Donc cette petite moto, elle a 39 000 km, elle est de 93. J'y ai fait quelques petites modifs. Il faudra que je le voie certainement. Rien de grave, enfin rien de méchant, je veux dire, plus adapté. We'll be right back.
Regardez comme c'est beau. Ça va loin, ça va super loin là-bas. Donc voilà, allez, on va changer d'endroit. Ici, une petite balade. Niveau TDM. Et puis on va chercher une petite forêt. Je vais prendre un petit bout de forêt. Ça fait environ 1 km, ouais, peut-être 2 km. Aussi comment elle réagit dans les chemins malgré le fait que ce soit des pneus routes et qu'il y a un petit truc à la charpie là. La vallée de l'Octobre dans la vallée de l'Eure. Et voilà. Alors cette forêt là, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà emmené. Le film avec la poignée de gaz, c'est sûr, c'est dû à la pointe de carbone. Du tout même. Merde, c'est chier. Alors si ça passait chez là, je vous dis pas, l'autre bout c'est encore pire. Je connais cet endroit là, c'était les anciennes forêts de mon père. Donc c'est mort. Ouais non. C'est... Avec les pneus routes, ça va pas aller. Je le sais. Que c'était notre terrain pour faire de l'enduro ici. Donc je vais prendre une autre forêt qui doit être moins grasse, plus accessible, parce que là j'ai des pneus vraiment vraiment hauts. Je vous dis, pour bien connaître le coin, là ce serait un risque. Dommage parce que c'est beau là-bas, mais on passera, je la prendrai quand même, mais de l'autre côté. Je la prendrai de l'autre côté. Alors là, je peux tout gérer d'ici, mais je sais pas comment.
bonne vue vers ça. Ça va être bien au début. Hop. Super beau, là, qui a été fermé. Alors je sais pourquoi, je vous dirai pas, mais je sais pas. Là, ici, là, une grande, grande allée avec l'ancien repère des chasseurs qui est au bout là-bas. Là. Mais ça a été fermé. Je vais bien partir à cause de moi, d'ailleurs. Mais je n'en dirai pas plus. Bon, c'est du caillou, donc je fais gaffe avec les pneus. Avoir de mauvaises blagues, ce serait ballot. Là c'est pareil, le champ de luzerne, je l'avais pris il y a 3 ans avec la Ténéré, n'importe quoi, avec l'autre TDM à Philippe, hein, non, celle dont je me servais régulièrement, et je le remercie d'ailleurs, parce qu'il va pouvoir en profiter un peu plus, et puis on va pouvoir se faire des balades en TDM, mais là j'avais pris le champ là jusqu'au bout là-bas. J'avais de l'herbe jusqu'au haut du bilan. Ouais, une connerie que j'avais fait. Ouais, une connerie gentille. Ouais, donc là, faut faire attention parce que c'est. En fait, c'est grâce que les cailloux, il y a des cailloux qui sont tournés. Et avec les pneus route, c'est pas terrible. Mais la preuve, le petit TDM va partout. Ça fait 230 kg, hein. Faut le gérer, d'accord. Et là, je ne peux pas monter parce qu'il y en a un qui s'est cassé. Fois je suis passé par un autre lieu, mais si ça passe séché, ça va jamais monter. Ça va jamais monter. Et bah, l'arbre il est toujours là, donc ça va continuer. J'étais passé l'autre côté, et si ça passe séché, c'est mort. Je vais vous dire tout de suite. Oh, puis encore une branche qui s'est cassée la gueule. Là. Mon père a fait plus de 200 kg. Est-ce qu'elle va monter? Oui, ça va monter. Oui. Ça, c'est mon petit coin. Je fais mon break tout le temps. Mais là, c'est devenu défoncé. Voilà. Allez, je vais faire une petite pause. Je vais vous présenter mamie. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà Titine. Petite TDM 853 VD, elle est de 93.
Elle est verte, on n'en voit pas beaucoup. Il y en a, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on voit le plus au niveau de la couleur. Merde, je me casse la gueule. Elle a 39 000, enfin quand je l'ai eue, elle avait 39 105 km. Et voilà, donc elle est belle comme tout, elle est toute d'origine, absolument toute d'origine. Sauf ça, j'ai rajouté le top caisse que j'avais sur l'autre machine. Que j'avais sur l'autre machine. Bon, ça c'est une petite sacoche à la con. Ça c'est mon cordon, cordon du gilet airbag. Voilà qui est repris dans le cadre, hein, comme il faut. Et puis, quoi dire d'autre? Oui, ça c'est une accroche. Alors j'avais vu ça quand on faisait les formations airbag avec Philippe, les gendarmes. Dans la manche, ils avaient ça à leur guidon. En fait, c'est bien parce que quand tu t'arrêtes, tu l'enlèves et clac, tu le mets là et ça évite que ça se balade. Donc, j'ai remis, je vous disais, j'ai remis le support GPS que j'avais confectionné il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus. Et puis, là, j'ai mis des pontées de 750 XTZ. Je ne sais pas si on les voit bien là. Ouais, 750 XTZ, donc ils sont plus hauts. En fait, ils font la même taille que les autres, sauf qu'ils sont droits. Et là, j'ai rajouté des rehausses de pontées, des portées. C'est vachement bien en fait. Du coup, par contre, le guidon il est un petit peu haut pour le coup. Et faut vraiment que je mette un guidon droit. Alors, si quelqu'un a un guidon droit qui traîne dans son garage, en acier en 22 mm de diamètre, comme ça après je pourrais mettre mes protège-poignets. Voilà, comme ça. Donc, ça, et puis voilà, les échappants sont d'origine. Elle est toute d'origine. Moi j'ai mis 2-3 autocollants comme on a habitude. Mon pote Bruno Vecchioni, VRS Racing, qui s'occupe de Sylvain Guintoli, Michelin, parce que Michelin. Et puis ça, c'est pour ma petite fille. Lorelai Tour, édition limitée d'édition 2022, c'est pour ma petite choupette. Ça, c'est Adhérence, Évreux, Verneuil, Lucas Motorsport. Alors, Ludo, la boiserie, je le connais pas. Je suis pas, voilà, fan. Je le connais pas, en fait. Mais Ludovic Lucas, c'est un ancien pilote à mon grand-père du temps avec Jacques Vimont, tout ça. Donc, puis Ludo, c'est un pote. France Moto Voyage. Et puis Morgan pour Jackie et Patricia. Donc, tout va bien. Et puis, l'autocollant de l'Iron de notre pote Nicolas Sonina. Donc, voilà ma titine. Avec mon casque shot. Et puis j'espère qu'on va faire de longues balades ensemble. De longues balades ensemble. Là, le projet après, mais plus tard. Il existe des crash bars qui viennent se fixer là. Qui viennent se fixer là et là. Et franchement, ils englobent juste comme ça. Là. Ils sont super beaux. Puis voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire pour ma mère pour sa première sortie. Dans la forêt. Regardez comme il fait beau. Magnifique, hein? Magnifique. Donc cet endroit-là, en fait, c'est là où mon frère et mon beau-frère et moi, et depuis l'âge de 8 ans, on s'entraîne à faire du motocross ici, parce que mon père avait repris ça, et j'habitais là-bas, en bas, dans la vallée, là. Donc tout ce terrain-là, en fait, je le connais, mais alors, quand je vous dis par cœur, c'est nous qui l'avons destiné, hein. Et ça fait du bien de revenir là. Ça fait du bien de revenir là. Donc j'espère que le son il fonctionne bien. Il y a Laurine. Laurine qui m'a prêté une de ses oreillettes, je ne sais plus comment ça s'appelle, iPad, AirPod, AirPod, je ne sais plus. Qui fonctionne avec la caméra. Normalement, j'espère que ça va fonctionner. Donc voilà l'endroit où on faisait du motocross avant. Tout ça, c'est nous qui l'avions fait. Bon, pas les dégueulasseries là. Pas les dégueulasseries qui sont là, parce que ça c'est normal, c'est les gens qui jettent leur merde. Ça doit être des écolos aussi. Il y a toutes les côtes, il y a tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire une petite pause. Je vais boire un coup. Je parle beaucoup, je trouve, aujourd'hui. Et puis on se dit à tout à l'heure. Ça marche. Ciao, ciao. Allez. La deuxième forêt, enfin là où j'ai fait mon petit break là, je vais reprendre un bout de route. Je fais attention parce qu'en fait il y a des endroits où on voit pas les cailloux avec les herbes. Une tente, plus soleil, plus soleil, plus soleil, ça fait pousser l'herbe.
va prendre un petit bout de route. Et puis je vais reprendre un autre chemin en espérant qu'il soit dispo. Ma première sortie avec cette TDM. C'est super cool. Donc je sais pas si on voit bien, je vais prendre la côte là. Et ensuite on va venir par le chemin qui est là-bas. Là. Si ça passe. Voilà. Ça c'est la première, Eric, c'est un mieux. J'avais 14 ans et j'en ai 56, donc vous comptez, c'est une 248 Husqvarna WRX7, mon père avait fait importer des États-Unis, parce qu'en France il y avait la 240 WR, la 250 pardon WR et la 240, non 250 WR, mais j'avais pas la 240 WRX7, et c'est en 83 l'année où ils ont sorti les 5-10 Husqvarna à double sortie d'échappement. Maxi Cross 50 qui les avait pour les environs de Brionne. Ah là, ça a bien monté l'air là. Ah mon copain. Putain. Je suis tardé. Si je me gaufre là, je suis tout seul. Peut-être que j'aille sur ce chemin de droite. Je fais gaffe hein, parce qu'en fait, ah oui, vous allez me dire, Eric, mets-toi debout, mais franchement, le train avant, là, le pouf, il est pas, voilà, pas précis, on va dire. Ah, il y a un truc, d'accord. Je rigole de mes conneries. Allez, on avance. Ça, je vais prendre dans la tronche. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Allez, va dans la luzerne, mon gars.
Et j'ai toujours, je vous le dis, hein, pour les sceptiques, j'ai toujours mon gilet airbag qui est connecté à la moto, enfin qui est attaché à la moto. Et là, je suis debout sur la moto. Et je peux vous assurer que mon câble, mon cordon de gilet est très très bien réglé. Pour les gens qui sont encore... Je sais pas où je suis. Enfin, si je sais où je suis, mais je sais pas dans quoi. Non, mais c'est certain. J'avais fait un truc comme ça avec mon Ténéré il y a en 2010. Je m'étais aventuré dans un chemin, mais là pour le coup, je le connaissais pas du tout. J'étais obligé de faire demi-tour. Et j'ai mis 45 minutes pour faire demi-tour. Sur le Ténéré, ça pèse un amour. Putain de merde. Allez. Je savais bien que j'allais m'en mettre une. Hop là. Ah putain. Bon ben voilà, la première. Ah la vache. Bon voilà, j'ai pris la première, impeccable. Bon ben voilà. Oh, j'en ai pris une douce. Mais putain, relevée, j'ai eu de la chance, elle était... Elle était dans l'ornière. Ah. Bon, ça va, il n'y a pas de goût. Il y a une chose celle-là. Bon, allez. On va prendre celle-là. En fait, j'ai voulu remettre sur le sur la, la coupe buffet du milieu et l'avant, bah, il est stabilisé. Encore un peu mis sous les herbes et il y a des plus gros. Thank you.
actuel, il n'y a rien qui a bougé. Il y a un peu d'herbe là, on enlèvera tout à l'heure. C'est cap. Allez, on y va. La première, oui. Mais ouais, je l'avais fait, mais pas avec ces pneus-là. Avec ces pneus-là, ça passera pas. Yep. Avec ces pneus-là. Donc voilà le gilet airbag. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, il est là. Voilà, je le remets là. Ça c'est bien, c'est pratique comme ça, ça gêne pas. Ça gêne pas du tout. Donc voilà, bon, il n'y a pas de bobo, il y a de la luzerne, c'est tout. Impeccable. Impeccable. Donc voilà les petits loups. Allez, je vais couper 2 minutes.
Et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Allez go, pour descendre mon monument aux morts, on va changer de quartier un petit peu. Voilà le bras principal de l'heure. C'est reposant. Et je vais vous emmener à un endroit tout à l'heure. C'est encore plus, plus reposant. Ça va, ta mère? T'as pris ta première pelle? Un endroit tout à l'heure où il y a un petit banc, il y a la rivière et de l'autre côté il y a une propriété. Bon, on va y aller après justement. On va y aller après. Allez, je me reconnecte.
sais que ma moto a fait 236 kg. Il n'y a pas d'autre qu'un autre. Dans les campagnes, ah, tout ça n'existe plus, c'est dommage. Maintenant, c'est des... Voilà, on aurait dû arriver de temps. Là, il y a un record de barbe. Pas là. Ah bah tiens, pas du tout. Bon. Il y a plein de lumière. Donc je vais vous faire voir la fameuse maison dont je vous parlais. C'est In the Live. Allez, c'est beau. Hein, on s'est baigné là, étant en gamin. C'est dangereux, mais ça va. Regardez le pont comme c'est beau. Il y a des gens qui habitent là. Hein. Qui sont là l'été, enfin qui étaient là l'été, je sais pas si. Donc voilà. Allez, je vais faire une petite pause. Bon, c'est dans une impasse, là c'est tranquille. Puis tout à l'heure on prendra la côte, il y a une côte qui monte là. On prendra toute la côte là. Bon, pas de stigmate de la chute. Impeccable. Voilà les petits loups. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao, bye bye.